Salut tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va très bien. On se retrouve pour la troisième partie de la... de une petite vidéo découverte dans la troisième partie de Assassin's Creed Black Flag. Donc ça va être une bonne petite mission. Donc Compando est court. Le vieux Georges s'est finalement lassé de nous espiègleurer. La petite image, la petite vidéo. La face de Karem. C'est le capitaine Woods Rogers. Je n'ai pas vraiment envie qu'il me voie. Nous souhaitons parlementer avec ceux qui se sont proclamés gouverneurs de cette île. Charles Vane, Ben Hornigold et Ed Satch. Veuillez vous approcher, je vous prie. Encore ce pardon royal. Mais qu'est-ce que fait Hornigold? Lâche, sale pourri. Qu'est-ce qu'il mijote, mon Dieu? Je vous remercie de ce chaleureux accueil, capitaine Hornigold. Je m'attendais à un premier contact plus délicat. Ne confondez pas décor. Donc je dois les suivre. Je suis impatient d'entendre vos propositions. Mais rien n'a été fait. Donc tu me demandes. Votre franchise dépasse tout ce que j'attendais venant d'un pirate. J'aime beaucoup Assassin's Creed. Je vous garantis que tous ceux qui m'écouteront seront bien traités. C'est un jeu que j'aime. Prenez votre mal en patience. Ces bandits ne tarderont pas à vous montrer leur vraie nature. Calmez-vous, Commodore Chamberlain. J'ai promis au capitaine Hornigold que nous nous montrerions équitables. Ça ne vous apportera rien de bon. Les hommes de son calibre souillent allègrement la réputation de sa majesté aux quatre coins du Nouveau Monde. Le roi veut qu'on les éradique. Oui, aussi, on les cajole. Est-ce la grand place? Ce qui s'en approche le plus. Incroyable. Oh merde. Agathe, le gouverneur vient vous voir. Ramenez Burgess et Cochrane. Ça ils m'ont pas vu, enfin. J'ai bien eu sur le choix à mes fesses. Déployez-vous, soldats. Investissez ce cloaque comme si vous y étiez né. Et merde, je me suis fait choper. Bon, j'espère que je peux tout recommencer à zéro. Ce sera un peu ballot. Voyez-vous, soldats, investissez ce cloaque comme si vous y étiez né. Et puis, on peut le voir. Soyez prudent lorsque vous mentionnez sa majesté, gouverneur. Vous êtes ici sous ses ordres. J'ai mes méthodes, Commodore, et j'attends de vous que vous les appliquiez à la lettre. Merci beaucoup. Il est mon copain. Oui, j'ai mon joueur. Cool. Non, tire pas. Non, non, non. T'es mort. Il est humain. Salut. Ah merde, c'est moi, j'ai cru que c'était le temps. Oh, il y a du monde. On va y dire mon gars. Notre unique but est de traiter avec les maîtres de cette communauté. Tous les autres peuvent retourner à leurs occupations dans les meilleurs délais. Allez, cool. Commodore Chamberlain, veillez à ce que soit regroupé tous les marchands, maçons et charpentiers des environs, et ce, dès cet après-midi. Cette forteresse a grand besoin de réparation. Nous devrions confisquer les armes, gouverneur. Faire comprendre à ces misérables pirates qu'on ne patine pas avec les émissaires du roi. Ce n'est pas l'intention d'attiser l'animosité, comme ça. Ah oui, non, j'attends trop longtemps, je vais attendre un peu, mais j'attends trop longtemps. J'attendais trop bien. Bon, ils sont là, je les ai pas vraiment. Il y a un mec qui m'a mis quand même. Aïe! Non, 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 non. Oui, mais toi, je me coupe. Voilà, peut-être mort, je me casse. Non, du coup. Dissimulez-vous. Là. On va rester planqué. Chut, mon début.
frapper à la porte. Donc, à mon avis, l'annonce avec la guerre. Tous les coups, je dois passer sans me faire repérer. Le gouverneur Rogers pense pouvoir faire des hommes de ces macaques. Pas moi. Retournez à votre poste et attendez mes ordres. Il reste deux gardes ici et un son. Donc il en reste deux devant la porte, deux qui rentrent là. Comment rentrer? Ah là-bas. Là, il y a un garde là-haut. Vous m'avez pas vu. J'avais envie de monter le haut, je sais pas où. Zone interdit, oui, je sais. Donc ça doit être pas là. Ah, c'est bien un peu. Hop, c'est par là, voilà. Pour la vidéo, pour éviter que la vidéo soit trop longue, donc je ferai une petite coupure entre deux, parce que c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et... après, c'est chiant quand c'est trop long. Donc vous inquiétez pas, je ferai une petite coupure. Vas-y, il faut pas faire une chute, hein. Là, tu fais... t'es mort. Non, c'est bon qu'il faut aller. Je dis pas qu'il faut aller. Ah, c'est pas grave. Oh. Un peu comme... attention. Attention. Et arrive. Il a même pas branché. Oh. Deux gardes. Oh chute. Ça va, ça va tomber, ça va. Oh non, 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 non. Aïe. Qu'est-ce que j'ai mal quand même. Avant le 5 septembre de l'an de grâce, wow. 718, un peu de garde, comment faire. Je venais de prendre de des chambres. Ou par devant quelques gouverneurs. Gouverneurs de quelques-unes de nos plantations au-delà des mers. D'accord, c'est bon, de notre gracieux pardon. Merci. Pour les actes de piraterie qu'ils auraient pu commettre. Avant le 5 du mois de janvier prochain, de quelque nature qu'il soit, est considéré comme tel aux yeux et aux lois de la couronne. Nous enjoignons et commandons très expressément à tous nos amiraux, capitaines et officiers de mer, comme à tous les gouverneurs et commandants de nos forts, châteaux, ou autre place dans nos plantations, oui, mais t'as une bricole. Ainsi qu'à tous autres officiers, civils ou militaires, ah, j'aime de bien, se oui. saisir avec de tout pirate qui refusera ou négligera de se soumettre conformément à la présence. On va juste foutre quand il y a qui vient en mettant bas. J'ai vu, il y a un mec au fond, c'est peut-être une voix. Hésite, il y a un qui m'a vu. Le mec a rien compris, fait. Il t'a arrivé, c'est fait virer. Comme un gros bouchon. Il a rien compris, mec. On se retrouve pour la deuxième partie de Assassin's Creed. Donc lui il était tout seul, je sais pas pourquoi. Son pote Chibolité était tout seul, donc super. Un mec en moins. Donc du coup bah, je dois recommencer un peu tout.
côté, je crois, j'ai vu des choses, attendez. Voilà, j'ai monté, il y avait des gardes ici. Je les ai vus sur le radar. Donc on va attendre un peu pour les tuer. Ça va être plus facile, c'est mieux, sinon ils vont nous voir d'en face. Donc voilà. Ok, sur l'épée qui saute. Par contre, si je fais les tours, là tu vas me voir le coup de côté. C'est ça le souci. Hein. Est-ce que j'ai vu ou j'ai pas pu sur le gros le côté? Comment faire? Il est là. Voilà, on pense le mur. Je lui dis un bonjour de ma part. Le jus, il est là. Putain, il y a pas. Et lui, tu l'as en face, et il y a la bouche sur le côté gauche. Il y a un petit mur, je le vois. Comment faire? Voilà. Ça, au moins, c'est fait. On n'entend plus. Non, 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 oui. Tu m'as donné, tu m'as donné. Ah, j'en ai plus du cousin. Sinon je leur rends d'armes mais j'ai plein. J'ai que les armes. Non, non, bah c'est pas grave. Vas-y, il y a des faces comme ça. On va se dépêcher quand même avant qu'ils se retournent. Je savais pas les Allemands et les Anglais ça fait voler. Il m'a fait le coup. Il est en mode match. Il s'est H. Ah merde, il est. Il a dû me perdre. Oh, tu vas te calmer toi? Non, 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 non. Non, non. Tais-toi avec tes grenades. Bon, bah vas-y, merde autrement. Faut lui décrocher la poche. Aïe. Allez. Coupez les cloches. Putain mais non, je t'ai pas dit tiens. Bon, toi tu coupes les cloches. Et merde. Ouais. Non, il me touche pas. Non. Et merde. Bon bah, c'est reparti pour la mission. Oh. Il est là, t'as l'air, il était pas là, maintenant il est là. Par devant l'un de nos secrétaires de la Grande-Bretagne ou de l'Irlande, ou par devant quelques gouverneurs ou sous-gouverneurs de quelques-unes de nos plantations de la mémère, fuirons de notre précieux pardon de pour les actes de piraterie qu'ils auraient pu commettre. Avant le 5 du mois de janvier prochain, de quelque nature qu'il soit, est considéré comme tel aux yeux ça, et aux lois de la couronne. Il est sous comme ça, sans nous enjoignons et commandons très expressément à tous nos amiraux, capitaines et officiers de mer, lui, il a rien compris, tous là, les gouverneurs et commandants de nos forts, châteaux ou autres places dans nos plantations, bien. Ainsi oui, qu'à tous autres officiers, civils ou militaires, de se saisir de tout pirate qui refusera ou négligera de se soumettre conformément à la présence. Il y a un truc. Non, on dirait s'il vous plaît, le vieux. C'est pas mal. Non, mais avant d'en dire. Bon, puis, j'y vais. Non. Eh, descends. Me touche pas. Vas-y, sabote. Putain, non. Touche pas ces deux. Tant pis, il est loin, hein. Ouais, sabote quoi, putain. Non, non, non. T'as compris, je vais saboter le truc. Voilà. Bien fait. Ah,
Allez, ça peut être... Allez. Ouais. Yes, merci. Je vais faire la suite de la vidéo si ça vous plaît. Pour la quatrième partie. Même si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je fais quand même la vidéo. Voilà, je vais faire la vidéo. J'espère que vous laisserez la prudence vous guider, messieurs, et que vous saurez accepter le pardon du roi dans les plus brefs délais. Car tant que vous refuserez, chacun d'entre vous demeurera confiné à Nassau. Croyez bien que je le regrette, mais à défaut de procès public, ce pardon est votre meilleure partie. Le gouverneur se montre bien trop poli, bande de chiens. Le choix qui se présente est simple. Acceptez la protection royale, ou nous raserons cette ville jusqu'à ses fondations, avant de vous pendre haut et court. Assez ! Commodore Chamberlain, nous sommes des messagers, pas des tortionnaires. Pour l'instant. Et du coup, je vais me battre avec eux. Je le recouche, je le sens. Oh, merci, mon sire. Dieu vous garde. La chance nous ouvre encore ses bras, les gars. On devrait accepter ce pardon et sauver ce qu'il nous reste de dignité. Plutôt la potence que de se rendre à ce merdeux. Réfléchis, Vane. Nous avions une occasion exceptionnelle, une chance de partir de rien pour former un gouvernement constitué et dirigé par des visionnaires. Adieu. Mais 2 ans nous ont suffi pour tout gâcher. Moi aussi. Je ne referai jamais une telle erreur. Il dit la vérité et vous refusez de l'entendre. Adieu, bande d'ivrognes au crâne de bois. Je viendrai vous voir pendu. Moi, je vous ferai la peau. Je vais... Du coup, bah... Laissez un... On va continuer. Laissez un pouce vert. Abonnez-vous. Si ça vous fait plaisir, je ferai la suite. Mais même si ça vous fait plaisir, je le ferai quand même. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Salut !